Bonjour. Dans ce tutoriel, MediaKit va vous montrer comment configurer le modem ZTE, ZXV10W300 comme routeur, et comment configurer et sécuriser le Wi-Fi. Votre attention s'il vous plaît. Merci. Tapez ici, l'adresse IP suivante. Ensuite, cliquez ici pour accéder au programme du modem. Faites entrer ici, nom d'utilisateur, admin, mot de passe, admin. Cliquez sur OK. Cliquez sur Interface Setup. Vous n'avez pas besoin de taper les VPI et VCI pour Easy et Anis, sélectionnez simplement le PVC2 pour Easy et le PVC4 pour Anis. Entrez ici le VPI et le VCI de votre fournisseur Internet. Dans notre cas, le fournisseur Alphaouri, VPI, 0 VCI, 38. Sélectionnez le mode d'encapsulation suivant. Nous avons terminé la configuration et la sécurisation du Wi-Fi. Nous allons procéder maintenant à la configuration et l'ouverture des ports. Nous avons choisi dans notre exemple une application de partage, Emule, et un serveur de jeu, Code 4. Le principe est le même pour toutes les applications et serveurs. Cliquez sur Advanced Setup. Vous écrivez ici le nom de l'application. Dans notre exemple, c'est Emule. Vous laissez protocole sur All. Cliquez sur le bouton Save pour enregistrer les changements. Maintenant, nous allons configurer le serveur de jeu. Et ici l'username et le mot de passe de connexion sur le site d'indienaise.com. Cliquez sur le bouton Save pour terminer la configuration. Nous arrivons à la fin de notre tutoriel, nous espérons qu'il vous a éclairci la procédure de configuration. Nous faisons de grands efforts pour vous aider, alors faites un petit effort en étant actif et en promouvant notre site web MediaKit.net. Amicalement.